Dans la première question, l'élève a répondu 6,84 moins 3,8 égale 3,04. Cherchons sur la figure où se trouvent ces nombres. 6,84, c'est cette longueur. 3,8, c'est cette longueur. Autrement dit, notre élève a calculé la différence, c'est-à-dire cette longueur. AR est égal à OR moins OA, c'est-à-dire 6,84 moins 3,8, qui est égal à 3,04. Bien, ce que l'élève a fait en première phase. La deuxième phase, l'élève a fait 5 fois 6,84 plus 3,04. Donc la première question, c'était quelle était la longueur du segment AR? AR égale combien? Première question. Qu'est-ce qu'il a fait l'élève dans la deuxième question, vu qu'il a fait ce calcul? 5 fois 6,84 sur 3,04 égale 11,25. 5 est ici. 6,84. 3,04, c'est là. Comme on sait que AS et OK sont parallèles, le théorème de Thalès nous dit que on va utiliser bien sûr ces données-là. 5, c'est qui? C'est AS. AS sur qui? Dans le Thalès, AS sur OK. AS sur OK est égal RA sur RO, qui est égal aussi à RS sur RK, selon Thalès. AS 5, OK on ne connaît pas, RA c'est 3,04, et RO c'est 6,84, qui est égal à RS sur RK. Et ici, OK se trouve en multipliant 5 fois 6,84 et divisé par 3,04. Exactement le calcul de l'élève. Autrement dit, la question 2, c'était OK égale combien? C'est égal à 11,25. D'après ce calcul, on peut vérifier à la calculette. Donc, la deuxième réponse, c'est 11,25. Bien. Et la troisième réponse de l'élève qui nous fait 7,2 plus 6,84 plus 11,25. Le résultat est 25,29, comme on peut vérifier à la calculette. Attention, la troisième question est différente de la deuxième. 7,2, c'est cette longueur. 6,84, c'est cette longueur. Et 11,25, c'est cette longueur. Pour additionner trois côtés, ça veut dire qu'on cherche le périmètre. Le périmètre du triangle ORK. Voilà, on vient de déduire la troisième question de l'élève. Résumons. Dans la première question, la question c'était combien ça fait AR. Et on a fait une soustraction. Dans la deuxième question, combien est égal au OK? OK, et pour ça on a utilisé le théorème de Thalès. Et dans la troisième, quel est le périmètre du triangle ORK? Et pour cela, on a additionné les longueurs des trois côtés.